Yo les Astro Family, avant que cette vidéo ne commence, nous vous donnons rendez-vous le 1er novembre à l'hippodrome de Maison Lafitte. Donc si t'as envie de défier la team S3 et de leur mettre des panas, tu viens et surtout t'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu à la fin de cette vidéo. Merci. Yo, c'est la team S3 et aujourd'hui c'est Halloween. Ouais, c'est Halloween. Bah c'est Halloween, ça fait peur tout ça. Mais tu fais pas peur du tout là. Mais si en France ils ont peur hein. Peur de quoi? Allez on va Yo la S3 Family, comme on vous l'a dit, on va faire une vidéo spéciale Halloween. Ouais, voilà, là tu fais peur frérot. Mais pourtant je suis au naturel là. On a décidé de vous faire 3 challenges. On commence le premier défi, c'est freestyle avec une citrouille. Bon, le premier participant c'est Annie. Il a encore perdu la délit de l'eau. T'as 30 secondes, tu fais le plus de gestes possible. Celui qui en fait le plus il a gagné. T'es prêt? Ouais. 1, oh, attends. 2, 3, c'est parti. Allez, allez, allez. 1 2 3. Tu vas faire que ça en vrai. Et fais le dernier la clé. Ah, il en a 5 gestes. Non, ça je valide pas. 7, je sais pas encore. On enlève 2 points. Il a réussi à faire 8 gestes. Franchement, c'est bien. Ouais. On est d'accord, c'est bien. Mais comme vous le constatez, il l'a cassé. Celle-là, c'est cassé toute seule. C'est moins 2 points. C'est moi qui décide. Celui qui est pas content, il peut me taper. Donc au final, il a combien? 6 points. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, après Bibi, qui a pas fait un trop mauvais score, on passe à Brian. Brian, t'es chaud? Non. Pourquoi t'es pas chaud? Parce que c'est dur. Allez, c'est parti, go. 3, 2, 1, c'est parti, le chrono. Là, c'est pas de la. Attends. Ah, un geste, la tête, j'ai un geste. Un geste. Un geste. Ouais, c'est pas un geste. Ça, c'est pas un geste. Ça, c'est pas un geste. Non. C'est pas un geste, c'est un truc. 2 Non, non, non. 2 Ok, 2 3 3 Ça va, ça va, ça va. Ok, 5 gestes. 6 Non, ça je peux pas ça. C'est un tricheur. 5 gestes. Pour vous dire, ça va se casser. Oh, okay. Ah, il reste encore du temps, ouais. Ok. Oh ouais, les gars, c'est un nouveau geste, c'est un nouveau geste. Moi je demande aux abonnés de nous dire ce qu'ils pensent du dernier geste. Je trouve qu'elle a énormément utilisé les mains. Ouais, donc moi je pense qu'on devrait, à même titre que Annie, lui enlever 6 points. J'ai pas cassé la citrouille. Tu les as pris, tu les as pris à la main. C'est vrai, je suis d'accord, faisais du hand avant. Brian, ça te fait 4 points. Ok, alors comme vous avez pu le constater, j'ai fait un score de fou malade. Ils ont la haine parce que j'utilise mes mains, mais tranquille. Maintenant c'est à mon gars Andreas. T'es chaud ma gueule? Tu chaud? Ok, je crois qu'il est chaud, c'est parti pour toi, tiens. 3, 2, 1, let's go. Oh non, 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 non. Oh, okay. Y'en a un point, y'en a un point. Ça fait pas 8 points là mon gars. Fais du coupole, coupole. Oh, là mais tant que des trucs de ouf. C'est la queue, non? Ah ouais. Ah, c'est ça. Combien là? T'en as fait 12 hein. Oh là là, oh là là. Ah ouais. Ouais, je peux. Oh, oh, il a fait exactement, et j'ai compté 17 gestes. Ouais, mais c'est un tricheur parce qu'avant il travaillait au supermarché, tout ça. Moi je sais que. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Il travaillait dans. Rayon fruits et légumes. Il disait Andres, Doro, Doro. Je suis pas content de ma session. Je suis pas content de ta session. Moi j'arrive pas avec un ballon. Yo la famille, c'est au tour de Logan. Logan, t'es prêt? Allez, 3, 2, 1, let's go. Tu vois ça là? Ok. On est bien. Ok, un geste. Un geste. 2 Ouais, il est validé, validé par la suite. Validé, validé, la couronne est validée. 2 gestes. Mais là, c'est Bibi, c'est ça. Il 4 Alors, validé par la suite. Oh non, il est validé de ouf. 4 5 Et il est chaud. Il est patate. 6 Il est chaud. Le petit Vanaka me demande à laquelle. Ah non. Non. 7 8 9 Ok, bien joué Logan. Ouais, Logan, il a rassuré de ouf. Moi je trouve qu'il a été meilleur que moi, mais après. Je pense que vous pouvez gagner des battles avec vos passages. Ouais, avec la citrouille. Hein. Citrouille. Avec la citrouille. Du coup, bah il reste que moi. Hein. Du coup, ouais, là, on va passer à toi. Toi, t'es mon gars, toi. Toi, mon gars. Vas-y, passe. Anna. Anna. 3, 2, 1, let's go. Oh 3, direct. Il a cassé.
casser la citrouille. Ça fait moins 1. Moins 1. Vas-y, tout va bien. 2. Ça fait 1. Voilà, t'as des trucs bizarres. Ouais! 5, 6! Non, comment ça, 6? 6, mais il aura moins. Oh, 7! C'est ce que j'essaie de faire. Il reste 10 secondes! 7! Aïe! T'inquiète, t'inquiète! Mais là, c'est trop, il reste une vie là! Dernière geste! Oh! Il a vu! J'ai dit que moi c'était mon gars, mais je rigolais. La gueule, bien joué, voilà, t'as déchiré, frère. Franchement, les gars, moi j'ai kiffé, je vous avais dit, il est grave chaud, mon gars. Franchement, c'est un peu énervé. Eh, moi, franchement, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. T'es enceinte? Je crois que j'ai moins 4 hein. Ah t'as moins 18 non, t'as, tu joues plus, t'es éliminé. Allez. Bon, logiquement et comme vous l'avez compris, le vainqueur c'est Andreas. Non, franchement on peut l'applaudir. Mais mon gars t'as quand même tout déchiré ma gueule la vérité. Mais bon, c'est pas fini. Vous pensez que là c'était terminé tout ça? Ah non 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 non. Il reste encore un défi, précision. Les citrouilles sont sur la barre. Nous on a un ballon et celui qui touche le plus de citrouilles a gagné. Ok c'est parti, on commence avec Andreas. Avec le bar citrouille, c'est pas le crossbar. Donc voilà, on enchaîne avec le bar citrouille avec Andreas. Andreas, t'es prêt? T'as 4 essais, 4 essais. Quoi, le bar citrouille, ça passe, non? 4, fort. 4. Arma. Arma. T'as 3. 3, 2, 1, c'est parti, Andreas. Oh, un essai, Andreas. Pas, c'était pas une bartouille, une bartouille. Mais c'était pas mal, une bonne vision de citrouille. Ouais. Tu trouves toi hein? Voilà. Oui, la citrouille elle est bon, la citrouille. La citrouille, j'ai vu, il voyait bien les citrouilles. Bon, notre deuxième candidat, Brian. Est-ce que t'es prêt, Brian? Bah, mon gars, je suis chaud. Tu penses être plus fort que Andreas? Je pense bien tirer. J'ai quelques doutes. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Cherche la balle. Et hop. C'était pas mal, mais c'était pas bien. C'était pas mal, mais c'était pas bien. Non, non, c'était pas mal, mais c'était pas bien. Quatrième essai. C'était pas mal, mais voilà, c'était pas bien. T'as vu, je joue pas avec la nourriture, c'est pas avec les aliments, les gars. C'est bien, les gars. Franchement, on joue pas avec les aliments. Mais regarde mon frère. Ok, moi j'ai tout déchiré, maintenant c'est au tour de qui? De mon gars, Logan, dis-leur que t'es chaud mon gars. Excuse, vas-y, c'est pas grave, de toute façon il est toujours chaud. 3, 2, 1, c'est parti. Et... Non lui par contre, il veut tuer les gens, lui veut tuer les gens. Il est vraiment trop nul. Troisième essai poteau. Il est vraiment trop nul, il est vraiment trop nul ce mec là. Dernier essai poteau. Yep. Non, il a touché la barre. Il a touché la barre? Ouais. Mais la citrouille est tombée. Ouais. Du coup, est-ce qu'on lui donnerait pas un demi-point? Andreas, il a touché la citrouille ouais, directement. Ouais, c'est vrai. Du coup, il peut pas avoir le même point. Est-ce que j'ai touché la barre ou la citrouille? J'ai touché la citrouille. Il s'embrouille. Tout à l'heure, la citrouille, elle dépasse. C'est un point. Bon, bah. Thank you. Moi, je pourrais faire un dernier tir sans tomber. Non. Ok. C'est au tour de l'homme le plus élastique. 3 et 2 et 1. Yes. Deuxième essai. C'est troisième hein. Oh. Ça a compté pour toi? Bah oui. Bah ça compte pour lui alors. Troisième essai pour Most. Dernier essai pour Most. J'ai cru j'étais qui? Et ça fait deux. La banque a oublié le potiron. Oh oui. Yo Most, il a fait un super score. Ouais. De Bartrouille, le dernier participant qui nous vient tout droit du 9-4, nous vient tout droit de la Kabylie. Oui. On l'appelle Annie. Et on est parti avec Annie, est-ce que t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Là, il abuse de ouf, là, les gars. Là, il est en train d'abuser. Là. Ouais. Viro. Là, c'est comme ça. Ah, 0 sur 2. C'est un peu. Non, putain. 0 sur 3 pour Annie. Comme ça, il va rater. Non. Et voilà le dernier essai. Ça fait zéro, voilà, t'es zéro. Zéro. Voilà, t'es nul. Eh, hey, tu fais zéro, regarde, hop, zéro. Voilà. Il a gagné. Je suis très content de gagner ce ballon d'or. C'est
C'est pas le ballon d'or. C'est le ballon orange. C'est bien. Oui. Ça me va. Yo, c'était la Team S3. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Bon, vous l'avez vu, Andreas a gagné un défi, j'ai gagné un défi. Pour vous laisser un peu dans le suspense, la finale elle se retrouve sur notre réseau social Instagram. Juste ici là. Ouais. Là, là, il y a une, hey, y a une finale de ouf. Il y a franchement une finale de ouf. Moi je spoil, c'est moi qui ai gagné. Toi qui as gagné. C'est pas toi qui as gagné. Mais non, c'est moi j'ai gagné. Ah, genre. Ah non, peut-être les gars il a gagné. Mais moi j'ai gagné. Franchement, qu'il ait gagné ou perdu. Je sais pas qui a gagné entre moi et lui, vous allez le voir sur Instagram. Mais n'oubliez pas, demain les gars, on a rendez-vous à Maison Lafitte, l'hippodrome. On va faire une journée spéciale avec toute la Team S3. Il y aura Céane Garnet, il y aura tout le monde, mon gars. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager, et surtout abonne-toi. Hey, tu me fais zéro, regarde, hop, zéro.